Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue. L'Agora est heureuse de vous accueillir pour la première conférence de l'année. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir à notre tribune M. Jean-Michel Fauvergue. Jean-Michel Fauvergue est un ancien commissaire de police et homme politique français. À la tête du RAID, de 2013 à 2017, il est alors au cœur des tourments que rencontre la France face aux attaques terroristes perpétré sur son sol. Si sa carrière dans la police prend fin au sein de ce corps d'élite, son action et son engagement en matière de sécurité ne s'arrêtent pas là, puisqu'il devient en 2017 député pour La République en marche. Des assauts contre les terroristes au Bataclan jusqu'à la loi sécurité globale, en passant par les interventions lors des manifestations des Gilets jaunes, Jean-Michel Fauvergue a résolument observé et accompagné l'évolution de notre société en matière de sécurité. Au sein de la police, notre invité n'a pas seulement agi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En effet, les missions du RAID sont diverses, mais aussi complémentaires avec celles des autres unités d'élite, comme celles du GIGN et de la BRI, avec lesquelles il a donc été en étroite collaboration. C'est donc naturellement que l'engagement de Jean-Michel Fauvergue bascule vers une dimension plus politique, lorsqu'il devient député de la 8e circonscription de Seine-et-Marne, et préside le groupe Sécurité de l'Assemblée nationale. Ce virage progressif montre ainsi que politique et sécurité ne peuvent être envisagées séparément, et que les forces de l'ordre sont aux prises avec une multitude de sujets clivants et sources de violence. Comment, dans ce contexte, rapprocher les forces de l'ordre des citoyens? Comment gouverner dans une France divisée entre son désir de liberté d'un côté et son désir de sécurité de l'autre? Quelle est la place pour l'ordre et la sécurité dans une démocratie comme la France? Face aux contestations généralisées de l'autorité, quelles réformes doivent être opérées au sein des forces de l'ordre? Avant de laisser place au débat, l'Agora souhaite remercier l'EDEC et la Régie pour leur aide logistique. L'Agora souhaite également remercier ses partenaires, Total Energy, Oresis, le cabinet Adix, Théodore Maison de Peinture et France Bleu Nord pour leur confiance. Je vous prie à présent d'accueillir Monsieur Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir Monsieur Fauvergue, bienvenue à l'EDEC et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer le débat, Maxime va nous délivrer notre traditionnel billet d'humeur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous interrompons cette édition avec un flash spécial. Nous apprenons à l'instant que la billetterie BDE pour la prochaine SMAT a fonctionné sans aucun problème et qu'aucun archer EDEC n'a été recensé. Du jamais vu dans l'histoire du BDE. Une unité spéciale du RAID est sur place pour s'assurer que les billes vont bien. La mission, délicate, a été confiée à un homme d'expérience, Jean-Michel Fauvergue. Habitué du grand banditisme, des crimes organisés et des attentats, il est la personne toute désignée pour faire face à la panique générale. Le temps que nos équipes arrivent sur les lieux, je vous propose d'écouter un court portrait de cet homme qui, heureusement, n'a pas oublié son gilet pare-balles. Parce qu'à l'Agora, ça tire à balles réelles et ça fait clic, 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 pan, pan, pan. Monsieur Fauvergue a une carrière grandiose, GIPN, RAID et député. Mais chill out, les EDEC, ne vous inquiétez pas pour la FSA ou l'épreuve d'Excel. Vous avez devant vous l'exemple même qu'échouer sa licence ne signifie pas forcément le passage à Pôle emploi. Donc n'ayez pas peur du redoublement. Comme l'a dit une grande dame, Beliève, croire en vos rêves. Bon, le seul problème, c'est qu'à l'EDEC, redoubler vous coûtera juste 10 000 euros. Cependant, M. Fauvergue ne s'est pas illustré qu'à l'école. Il a même un petit côté rebelle, un peu foufou. En effet, il manifestait dans les rues parisiennes quand il était jeune. On la connaît, la technique de la manif pour sécher les cours. Big up à toi, Greta. Je ne comprends pas ce twist, d'ailleurs. From casseur, tout keuf. From méchant, tout gentil, en quelque sorte. Vous passez du coq à l'âne, M. Fauvergue. Surprenant pour un poulet. En tout cas, je ne sais pas de quel côté du bouclier vous préférez être. Mais si vous aimez tant charger la foule, vous devriez venir faire un tour au semi de l'EDEC pour découvrir l'esprit.
Les étudiants se font une joie de vous montrer ce qu'est une vraie charge lors de la dégustation Ricard. En France, nous avons la chance d'avoir dans nos rangs les meilleures brigades d'intervention au monde et des unités d'élite à faire rougir les Navy Seals. Parmi elles, le RAID, dont M. Fauvergue est un fier représentant. Car n'oublions pas que le RAID, c'est avant tout une association d'étudiants passionnés de... Mais putain, mais qui m'a foutu la mauvaise fiche, là? Le choix des assos, c'est demain. Et je vais pas faire la pub pour la concu. Bref, je disais. Le RAID, c'est avant tout une unité d'élite de la police qui intervient dans les situations les plus délicates, au nom de la nation française. Et c'est pas à Roubaix qu'ils vont s'ennuyer, si vous voulez mon avis. L'Afghanistan, à 2 heures de Paris, selon certains politiciens. Définir le RAID, ce n'est pas de trop. Car en réalité, nous avons du mal à comprendre ce qui se passe réellement au sein de ces unités. J'avoue que Bac Nord, c'était sympa. Mais j'y suis surtout allé pour les beaux yeux d'Adèle. Et c'est sans parler de pas de patrouille. Les petits chiens préférés des petits enfants. Qui font une bien meilleure publicité à EPA qu'à la police. La dernière nouveauté, c'est de mettre des caméras sur les policiers. Aujourd'hui, faire partie de la police, c'est moins assurer la sécurité des gens que de faire de l'acting au quotidien. La police qui vlog. On aura tout vu. À quand le featuring avec McFly et Carlito? Je ne sais pas si la crise de la quarantaine est passée par là, mais après avoir servi de nombreuses années notre pays, M. Fauvergue a décidé de s'engager en politique. Et non, je ne suis pas chef de la police, mais bien député. Ceci est une descente de police. Bien joué, Joe. Je disais, après une carrière mouvementée dans les rangs de la police, vous avez décidé, pour le plus grand plaisir de notre biais d'humeur, de vous engager en politique. Pour ça, toute l'Agora vous remercie, parce que votre passage chez La République En Marche, ça, ça régale. De la police à la politique, vos fréquentations n'ont finalement pas tant changé. Vous restez en contact avec des escrocs. Vous passerez le bonjour à M. Darmanin, d'ailleurs. Pourtant, vous, M. Fauvergue, en vous engageant auprès de La République En Marche, vous voulez continuer de servir le peuple et défendre ses intérêts. Ah, les beaux discours, on les connaît. Méfiez-vous, au début, M. Balkany disait ça aussi. Votre présence au Parlement dès 2017 vous a permis de défendre des causes qui vous sont chères. Par exemple, vous avez proposé la loi pour la sécurité globale, qui permet de rendre plus avantageuse la retraite des policiers. Un policier retraité qui présente ça? Bizarre. Mais bon, on vous comprend. Les temps sont durs. Et nous aussi, à l'EDEC, on adore l'argent. Monsieur Fauvergue, vous avez affronté ces dernières années la majeure partie des événements tragiques de notre époque. Notre biais d'humeur est porté sur l'humour, pas sur la moquerie. C'est pourquoi il nous paraît important de rappeler que nous saluons le travail de nos forces de l'ordre, tous ces hommes et femmes qui s'engagent pour la protection de notre pays, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger. La France ne pourrait être la France sans tous ces hommes et femmes qui... Bonsoir, monsieur Fauvergue. Bonsoir, bienvenue à l'EDEC et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, est-ce que vous souhaitez réagir au micro-trottoir et aux biais d'humeur qui vous ont été présentés? Non, je ne vais pas réagir, je vais faire un petit SMS à Darmanin. Attends, bouge pas. C'est quoi ton prénom, Maxime? Ton nom? C'est quoi ton... Ça s'écrit comment? Non, très bien, très très bien. Très bien. Comme Mathéo l'a rappelé, vous avez passé la majeure partie de votre carrière au sein des forces de l'ordre. Était-ce pour vous une vocation? Oui, moi je suis rentré dans la police par vocation. Je voulais, tout petit, à l'âge de 6-7 ans, je voulais être commissaire de police. Donc je voulais rentrer dans la police et je voulais être commissaire de police. Je ne sais pas pourquoi, parce que dans ma famille, il n'y a pas de, j'ai pas de policier, sauf mon beau-père, mais à 6-7 ans, je ne le connaissais pas encore, vous comprendrez bien. Et donc j'ai fait ça. Comme je voulais le faire, je l'ai fait. Et j'ai passé presque 40 ans dans la police et... Et je n'ai pas regretté, je n'ai jamais regretté. En tant qu'ancien chef d'unité, pourriez-vous clarifier à tout le monde ici ce qu'est le RAID, quelle est sa mission et qu'est-ce qui la différencie des autres institutions ou unités d'intervention? Alors, vous savez qu'en France, on a deux organisations qui font de la police nationale et la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale fait sur une partie du territoire. La police nationale, elle en compte la partie la plus urbanisée. Et le RAID, qui est l'unité d'intervention de la police nationale, travaille donc dans le secteur police nationale. Et le GIGN, qui est l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, travaille dans le secteur de la gendarmerie nationale. Ce sont deux unités qui ne sont pas concurrentes. Elles sont tellement pas concurrentes qu'il y a 6 mois de ça, j'ai fait un bouquin avec l'ancien chef du GIGN. Et qu'on a appelé, comme on était entre policiers, entre gendarmes, on a beaucoup réfléchi. Et à la 17e bière, on a appelé ça RAID GIGN. Donc le bouquin s'appelle, en fait c'est GIGN RAID. Ça s'appelle GIGN RAID.
Donc ces unités-là ne sont pas concurrentes et elles se retrouvent même sur les grosses crises. Donc il n'y a pas énormément de différence dans la manière de travailler, il n'y a pas énormément de différence dans les process d'intervention, dans les matériels d'intervention, etc. Donc, sauf qu'il y a la spécificité française fait qu'il y a deux corps. Mais ce n'est pas le seul pays hein, où il y a deux corps de police et gendarmerie. Il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a la Roumanie, il y a d'autres pays comme ça. Et lors d'une intervention, qui donne l'ordre d'intervenir ? Alors, celui qui donne l'ordre d'intervenir, c'est le patron du RAID. C'est celui qui est le chef du RAID, qui est sur place. Alors lui, sur les interventions les plus importantes, ses adjoints sur d'autres interventions, il y a un système de permanence. C'est donc le patron du RAID qui donne l'ordre d'intervention. Mais il faut savoir que sur une prise d'otage, c'est donc le domaine privilégié du RAID en secteur police, une prise d'otage ou des forcenés. L'ordre d'assaut est donné par le chef, par le patron du RAID, mais il demande toujours l'accord du pouvoir, ce qui représente le pouvoir politique, le pouvoir administratif, c'est le préfet du département. C'est-à-dire demande l'accord parce que une prise d'otage, c'est une dégradation de l'ordre public et ça vient dans le rétablissement de l'ordre. C'est donc le préfet qui acceptera l'ordre d'assaut du patron du RAID ou ne l'acceptera pas. Durant votre carrière, vous avez donc de grandes responsabilités en situation de crise, notamment, engageant souvent des vies humaines. Lorsqu'on est chef du RAID, comment prend-on de telles décisions ? Mais on prend des décisions au niveau le plus haut et le plus important, par exemple sur l'hypercachère à Vincennes, où je commandais à la fois le RAID et la BRI, pour le coup, sur le Bataclan, sur Magnanville, sur Saint-Denis et sur d'autres opérations. On prend les décisions parce qu'on est formé pour ça. Les chefs du RAID sont issus du corps des commissaires de police et les commissaires de police sont destinés à manager sur le terrain, sont des commissaires de police, donc ils doivent être sur le terrain et manager leurs équipes, donc ils sont formés pour ça. Mais vous êtes entouré des meilleurs aussi pour cette mission-là. Au RAID, on a des policiers qui sont recrutés pour la mission spécifique du RAID et ils sont recrutés pour ça, entraînés pour ça, formés pour ça, équipés pour ça. Ils ont des missions spécifiques, ils ont des process d'intervention bien particuliers que l'on change en fonction de l'évolution de la menace. Et voilà pourquoi, en fait, en réalité, quand on a une problématique face à soi, on est en général, je vais peut-être vous étonner en disant ça, mais on est en général plus à l'aise que un gardien de la paix qui intervient avec son équipière ou son équipier à deux ou à trois sur une situation complexe qui, lui, n'est pas souvent préparé à toutes les interventions qu'il peut avoir, qui a moins de matériel, qui a moins de temps de préparation, etc. Donc, en réalité, quand le RAID intervient, effectivement, il intervient sur des très, très grosses affaires, mais il y a toute cette dimension-là qu'il y a derrière et qui permet au patron du RAID de prendre la décision. En 2012, lors de l'affaire Mohamed Merah, le siège du RAID a duré près de 32 heures. Durant une attaque terroriste comme celle-ci, quelles sont les étapes à suivre ? Alors, l'affaire Mohamed Merah, c'est l'an zéro de ce type de terrorisme-là, c'est-à-dire du radicalisé, de l'individu radicalisé, islamiste radicalisé, qui intervient en trois temps. Là, on l'a décortiqué, cette affaire-là, on l'a décortiqué après pour changer nos process d'intervention. Alors, Mohamed Merah est intervenu en trois temps et tous les autres ont fait de la même chose après, y compris à l'étranger. Les trois temps, quels sont-ils ? Premier temps, il a abattu des cibles qui sont émotionnellement impactante pour l'opinion publique et pour les médias. Je vous rappelle qu'il a abattu des militaires, il a abattu des enfants juifs à l'école Ozar HaTorah à Toulouse, il a abattu un père de famille, il a poursuivi ses enfants juifs, il les a achevés au sol en se filmant. Ensuite, il s'est retranché, deuxième temps, il s'est retranché chez lui. Il n'a pas essayé de s'évader, de partir
ce que faisaient à l'époque des prises d'otages des années 70, 80, 90, les truands qui faisaient des braquages de banque, eux prenaient des otages pour ensuite monnayer leur fuite. Lui, pas du tout, il n'a pas essayé de partir. Et le troisième temps, que l'on ne connaissait pas à l'époque, c'est que, en fait, son idée, c'était de mourir les armes à la main. En fait, il faisait ça pour mourir les armes à la main, pour monter, pensait-il, au paradis d'Allah. Et donc mourir en chaïd, mourir en combattant. Et tous les autres, les frères Kouachi, Koulibaly, etc., ont fait les choses de la même manière. Sauf qu'à l'époque de Mohamed Merah, le raid, qui était commandé par mon prédécesseur, n'avait pas fait cette analyse-là parce qu'il n'avait pas été en face d'un cas de ce type-là. Et moi, j'aurais fait la même chose que lui, quoi, à cette époque-là. Mais entre-temps, de l'eau a coulé sur les ponts. On a étudié la manière de procéder de ces terroristes-là et on a changé nos procès d'intervention. Sur un individu radicalisé, on ne négocie plus. Alors que sur un individu preneur d'otages qui a un problème psychologique, on va négocier le temps qu'il faut. Sur un individu radicalisé, on va, une fois que l'assaut est donné, on ne s'arrête plus, on ira jusqu'au bout. Alors que sur un individu qui a un problème psychologique, qui a pris des otages autour de lui, en général des otages familiaux, on fait ce qu'on appelle de la... On interrompt notre assaut pour se planquer derrière des gros boucliers et pour donner priorité à la négociation. Et si ça ne marche pas, on avance encore un peu dans sa bulle et on redonne priorité à la négociation. Ce qui fait qu'au final, à 80-90%, on sort les otages et l'individu à la négociation. Il se rend. Sur les individus radicalisés, on a abandonné ça parce que ce qu'ils recherchent, c'est de mourir les armes à la main. Les organisations terroristes se structurent en réseaux toujours plus complexes. Comment lutter en amont des interventions contre ce phénomène ? Oui, alors sur la complexité des réseaux, les réseaux ne sont pas tous complexes, en fait, en réalité. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on est passé dans les années que j'ai vécues, moi, 2015 et 2016, en particulier 2015 avec l'hypercachère et le Bataclan, on était sur des réseaux internationaux composés à la fois d'étrangers et de Français. Et on est passé, après ces années-là, sur du terrorisme endogène, du terrorisme avec des individus qui, pour la plupart, avaient la nationalité française. Parce que la France, comme d'autres pays européens, il n'y a pas que la France, la Belgique, l'Espagne, etc., ont cette particularité de nourrir en son sein ses propres terroristes français qui nourrissent une espèce de haine de notre patrie et qui vont à un certain moment passer à l'action. Et ça, ces gens-là qui sont plutôt isolés, c'est plus difficile de travailler dessus parce qu'on a peu de renseignements sur eux. Au-delà du protocole à suivre lors d'une intervention, quelle est la place des émotions durant celle-ci ? Alors, là aussi, sur les affaires, sur toutes les affaires d'ailleurs, de manière générale, encore une fois, il y a l'avantage de tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la formation, d'avoir les meilleurs pour cette mission-là autour de soi, d'avoir des process d'intervention, de déployer sa manière de faire assez rapidement sur le terrain, ce qui fait que Assez rapidement, on est dans l'organisation, surtout pour le patron du RAID qui est toujours sur place. On est dans l'organisation et on n'a pas le temps de se consacrer à ses émotions, y compris quand on vit une horreur, quoi. Quand l'entrée au Bataclan, c'est quelque chose de particulièrement horrible. Donc il faut aller au-delà. Et en plus, quand vous êtes patron du RAID, vous avez la responsabilité de vos gars. Et donc, vous allez au-delà de ces émotions-là. Donc là, il n'y a pas énormément de temps laissé sur les émotions. Par contre, après, une fois que l'action est faite, que le repos est là, et quelquefois bien des années plus tard, là les choses remontent et on dissèque un certain nombre de choses et on est perméable à un certain nombre de trucs. Et face à des situations comme le Bataclan, par exemple, avez-vous déjà douté de votre engagement ? Non, jamais. Douter de l'engagement, ça voudrait dire qu'à un certain moment,
quand l'État et les responsables politiques envoient en dernier lieu le RAID ou le GIGN dans le secteur gendarmerie, là où personne d'autre ne peut aller, ça voudrait dire qu'à un certain moment, ceux qu'on envoie là ne vont pas faire le taf, quoi. C'est pas, ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable, ça n'est pas faisable. Et puis, il y a le ciment du RAID comme le ciment de tous les policiers, en fait. J'écoutais le radio-trottoir que vous avez fait, là. De tous les policiers et de tous les gendarmes, c'est de servir les concitoyens et de servir aussi les valeurs de notre République. Quand on est rentré à l'hypercachère et qu'on a délivré les 26 otages, donc on les a tous délivrés, le but, c'était pas de rentrer uniquement pour délivrer des otages, mais à un certain moment, c'est de rentrer pour dire on ne permettra pas ça, nos valeurs républicaines sont beaucoup plus fortes, et on a défendu aussi nos valeurs républicaines là-dessus. Donc il n'y a pas la place pour ne pas faire la mission, quoi. Il n'y a pas la place. À la suite de ces événements tragiques, on a pu observer une forte reconnaissance des Français envers les policiers. Néanmoins, depuis la crise des Gilets jaunes, cette tendance semble s'être inversée, pardon, et la police a fait l'objet de nombreuses polémiques. Par quels moyens la police gère-t-elle son image parfois ternie auprès des Français ? C'est une question difficile. C'est une question difficile. Parce que d'abord, on met au même point ce qui s'est passé pendant la période terroriste et la réponse du RAID et des autres unités par rapport à ces terroristes et les Gilets jaunes. Et je suis désolé de vous le dire, mais on n'est pas dans le même, dans les mêmes, sur les mêmes terrains, en particulier au niveau des valeurs, quoi. On n'est pas sur les mêmes terrains, là. Mais c'est vrai que la gestion des manifestations des Gilets jaunes a fait qu'à un certain moment, et l'astuce politique de certains groupes politiques, de certains groupes syndicaux, de certaines pseudo-ONG, vendeuse de respect des droits de l'homme. Je dis pseudo parce qu'il y a beaucoup à dire sur les ONG, sur certaines ONG, sur certains financements de ces ONG-là, ont fait que ils ont participé aussi à la dégradation de l'image de la police. Mais c'est vrai que la police peut se vendre. Elle n'arrive pas à se vendre correctement, bien que les choses changent. Il y a des réseaux sociaux qui sont investis par la police. Les choses changent de ce point de vue-là. Et d'une manière générale, la police est supportée à peu près par 70% des Français, 70-75%. Il y a une baisse de ce support-là au niveau des personnes les plus jeunes. Mais la police est toujours restée sur ces hauteurs-là. Pour le coup, on n'est pas sur la même échelle que la justice, par exemple, qui, elle, arrive à peu près à entre 30 et 40%, et sur les hommes politiques, qui sont bien, bien en deçà. Mais la problématique, c'est que je pense que... Alors, je nie pas un certain nombre de problèmes. Il faut restructurer un certain nombre de choses. Il y a pas mal de choses à faire dans ce domaine-là. Peut-être l'objet d'une autre question, je ne sais pas. Mais en tout cas, la problématique, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est policier, d'une manière générale, il ne faut pas inverser les choses. Et quand on est policier, on rentre dans la police pour servir et pour servir les citoyens d'une manière générale. Et le problème, c'est que si vous vous heurtez à... une partie de l'opinion publique qui est minoritaire, mais qui est particulièrement entendue sur les médias, sur les réseaux sociaux, etc., rapidement, vous allez avoir une désespérance des policiers, une perte de sens, parce qu'ils se disent « mais je ne comprends pas, moi je suis là pour les aider, je suis là pour les protéger ». Et puis les policiers sont très affectifs, hein. Ils ont rapidement tendance à généraliser, et les policiers se disent « et ils ne m'aiment pas ».
Donc, ben, ils m'aiment pas, je les aime pas. Quoi. Et voilà, on est dans un cercle qui est pas bon du tout, sur lequel on est en train de travailler et qui est en train de, je pense, évoluer assez bien. Mais il y a encore du boulot à faire. Hein. Vous avez parlé de manque d'engagement. Y a-t-il un manque d'engagement des jeunes, selon vous ? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit le manque d'engagement des jeunes. J'ai dit que la partie de la population plus jeune est plus en demande par rapport à la police qu'une la partie de la population un peu plus âgée. C'est ça que j'ai dit. Est-ce qu'il y a un manque la question, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui un manque d'engagement des jeunes ? Il y a une formidable élan de la jeunesse sur beaucoup de choses. En particulier, moi je le vois sur les réserves de la gendarmerie, parce que c'est une réserve qui fonctionne. La réserve de la police commence à fonctionner là, donc il y a des engagements. Il y a surtout un engagement des jeunes sur les pompiers, la réserve des pompiers, etc. Mais il y a un engagement des jeunes aussi dans notre société pour faire bouger les choses, pour s'engager, pour essayer de travailler sur un truc. La problématique, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, c'est qu'on ne parle en général qu'une partie infime de la population et de certains qui, jeunes ou moins jeunes, profite d'un système qui, en France, est un système très protecteur et qui arrive à se contenter, n'ont pas cette flamme pour s'investir. À présent, nous aimerions vous faire réagir rapidement à quelques sujets d'actualité. Donc pour cela, des articles vont être affichés sur les écrans et ce sera à vous de les commenter succinctement. Nous reprendrons les questions par la suite. Le premier article de 20 minutes titre « Cyberattaque d'un hôpital de l'Essonne, les hackers ont diffusé des données ». La criminalité générale, je vais vous étonner, mais la criminalité générale en France est soit étale, soit baisse. Les chiffres totaux de la criminalité. Par contre, et ça a été largement commenté, vous avez plusieurs items qui montent de manière très importante. Le premier, c'est les atteintes aux vifs, ce qu'on appelle les vifs, les violences intrafamiliales. On y reviendra si vous le désirez. Le deuxième, c'est les violences face à tout ce qu'il y a d'autorité, les violences face aux policiers, aux gendarmes, mais aussi aux pompiers, aux infirmières, aux professeurs, etc., etc. Et la troisième chose qui monte de manière très préoccupante, c'est la cybercriminalité. La cybercriminalité, elle s'attaque on le voit là, aux administrations. Et les plus grosses, quelquefois, le ministère de la Défense, les administrations régaliennes qui n'ont pas besoin de ça, elles s'attaquent aux entreprises qui font l'objet de ransomware, qui sont rançonnées à tout va, et elles s'attaquent aux particuliers. Il ne se passe pas une semaine, alors je ne sais pas vous, mais moi, il ne se passe pas une semaine sans qu'on m'annonce que par mail que j'ai une procédure contre moi pour pédophilie ou un truc comme ça. Je pense que ça doit vous arriver. Il ne se passe pas une semaine sans que sur mon téléphone, je reçoive des SMS en disant que mon colis est arrivé. Que, bon, ce sont des attaques cyber pour donner des informations qui ensuite seront exploitées, comme pour cet hôpital-là, seront exploitées par des escrocs d'envergure internationale pour récupérer des choses à partir de votre carte vitale ou des renseignements que vous avez donnés à l'hôpital. Donc, c'est une criminalité d'importance, d'avenir malheureusement, et c'est une criminalité qui est utilisée par les États. Aujourd'hui, la Russie se sert de ça dans sa guerre. Bon, l'Ukraine aussi, dans sa contre-guerre, elle se sert de ça aussi. Mais c'est un aspect de la criminalité. Demain, vous aurez plus de chances, beaucoup plus de chances de vous faire piller vos comptes par des attaques cyber que de vous faire agresser. Quoi. Le second article de l'équipe qui titre « Un avion toutes les 10 minutes pour les supporters qui séjourneront hors du Qatar lors du Mondial ». Ouais, moi, j'aime pas le foot, de toute façon. Je trouve que... Ouais, c'est pas une bonne réponse. je trouve que c'est... Il y a une espèce de gap qui se fait entre les choses que l'on vit tous les jours et une espèce de monde qui est un peu
en dehors de tout qui correspond pas aux règles qu'on a vues. Et je disais tout à l'heure de manière insidieuse que j'aimais pas le foot parce que sur une radio, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une espèce de comparatif entre les valeurs du foot et les valeurs du rugby, entre ce qui s'est passé au foot. Au foot, on voit, on l'a vu, tiens, hier ou avant-hier, des supporters qui... Il y a eu 100 et quelques morts en Indonésie dans un match de foot. Des supporters qui se battent, qui trichent sur les billets, qui descendent sur le terrain, qui frappent les joueurs, etc. On voit des joueurs qui sont à l'ouest complet. Certains anciens internationaux français disent qu'ils regrettent, ils auraient dû jouer pour le Sénégal, par exemple, c'est récent. Et en plus, c'est un domaine où même les femmes ne rattrapent pas le coup. Puisque dernièrement, on a une joueuse qui en a agressé une autre, enfin qui a organisé l'agression d'une autre, etc. Et là, on est hors de valeur. Alors qu'au rugby, il y a des valeurs du combat, il y a des valeurs du respect, il y a des valeurs de l'arbitre. Moi, j'ai toujours adoré voir, je regarde énormément de matchs de rugby, j'adore voir le deuxième ligne qui fait 2,06 m et 180 kg. Et quand l'arbitre vient l'engueuler et lui mettre un carton jaune, et bien, il baisse les yeux, il s'en va, quoi. Bon, c'est un peu les valeurs qui sont défendues, le respect de l'autorité, le respect de la règle, etc. Et là, effectivement, il y a un non-respect de règle, c'est un truc aberrant. C'est un truc aberrant. Pour finir, le troisième article du Monde. La France prépare la livraison de nouveaux canons César à l'Ukraine. Très bien, très très bien. Le problème, c'est qu'on les prend sur nos ratios et qu'il faut ensuite être en capacité de refaire notre armement. Je pense qu'il faut défendre... l'Ukraine se défend contre une agression qui est une agression sauvage, injuste. Quand on voit le discours de Poutine sur l'Occident, c'est complètement aberrant. On a un retour d'un dictateur qui fait peur parce qu'il a les moyens et puis il a l'arme atomique. Et c'est de notre devoir d'aider comme on peut l'Ukraine. De toute façon, c'est un combat qui va durer quelque temps. Et voilà, on va voir comment ça va se finir, mais c'est pas prêt de se finir pour l'instant. Selon vous, la France n'est pas à la hauteur de son armement ? Je n'ai pas dit ça non plus. J'ai dit que le matériel militaire que l'on donne à l'Ukraine, on le prend sur notre capacité à nous. Il faut faire ça, mais il faut rapidement qu'on se redéploie sur nos capacités, qu'on arrive à produire, que notre industrie arrive à produire les matériels dont on se sépare pour donner à l'Ukraine. Parce qu'on en a besoin pour la défense de l'Europe. On l'a vu, on le voit avec l'Allemagne qui a donné des leçons de choses à la Terre entière et en particulier à l'Europe et qui se retrouve complètement à l'ouest sur deux points principaux. L'aspect militaire des choses, l'Allemagne est un nain militaire. Donc là, ils veulent repartir, ils veulent s'armer, etc., parce qu'ils ont vu que c'était nécessaire. Et sur l'énergie, puisque l'Allemagne a abandonné l'énergie nucléaire, elle s'en est remis totalement au gaz russe, et ça a créé un gros problème. Alors il y avait un manque de vision dans ce domaine-là. Les Allemands, je me plais à le dire, hein, puisqu'ils ont donné des leçons de choses à la Terre entière, ont manqué sur ces domaines-là d'une vision, un petit aspect politique, là, d'une vision très réaliste des choses, se reposant sur les autres pour leur défense et pour leur approvisionnement en énergie. Justement, nous souhaiterions maintenant aborder votre parcours politique. Après avoir été chef du RAID, vous avez décidé d'être député. Pourquoi vous êtes-vous engagé en politique et pourquoi aux côtés de l'REM ? Je me suis engagé en politique parce que sur la première campagne d'Emmanuel Macron, j'étais encore au RAID, c'était la fin de mon engagement au RAID.
Et un ami commun qu'on a m'a demandé si je voulais avoir un rendez-vous avec le candidat pour parler de la sécurité. Et ils étaient preneurs du côté de Macron de d'une discussion sur la sécurité. Et donc ça s'est fait. C'était à la fin de l'année 2016. Et donc, j'ai vu Emmanuel Macron pour la première fois. Ça devait durer une demi-heure, ça a duré 2h30. Et je me suis dit, en fait, il avait de bonnes idées sur l'ensemble des choses, sur la sécurité aussi. Et donc, j'ai été assez rapidement fan. Et donc, je me suis engagé politiquement parce que j'ai suivi un homme. Dans la police, encore une fois, on est dans l'affect, on aime bien les chefs. Donc j'ai suivi un chef, j'ai suivi un homme. C'est pour ça que quand je vois sur l'affiche que vous avez fait, La République en marche, en réalité, je ne savais même pas ce que c'était. Moi, quand j'ai été élu au bout de 2 mois d'élection, j'étais député depuis 2 mois, ils m'ont dit à La République en marche, Jean-Michel, tu devrais un peu cliquer sur le mulot là, pour adhérer à La République en marche, parce que pour l'instant, tu n'as toujours pas adhéré. Et c'était important d'adhérer à La République en marche, parce que chaque député à l'Assemblée nationale, rapporte, les financements publics, rapportent à peu près 35 000 euros par député à son groupe politique. Il faut le savoir, ce sont des financements publics, quelle que soit sa couleur politique. Hein, c'est des financements publics, donc c'est important de cliquer sur le bazar et de dire, voilà, je suis La République en marche. Vous êtes avant tout un homme de terrain depuis des années. Avez-vous eu le sentiment, durant votre mandat, que les hommes politiques sont trop loin du quotidien des forces de l'ordre ? Non, pas tous. Pas tous, en tout cas, et pas complètement. J'ai beaucoup de sentiments sur quelques hommes et femmes politiques que j'ai, durant ma carrière de policier et ma carrière politique, croisée. Je veux dire que, d'une manière générale, je crois qu'il faut arrêter de penser, là aussi, que les hommes politiques sont à l'ouest, quoi. Les hommes politiques, et en particulier, alors nationaux pour certains, et en particulier locaux, se dévouent corps et âme pour leur mission. Et ils récoltent, en tout cas pour les députés et certains élus locaux, ils récoltent des nions et des orions que les gens peuvent pas. Enfin, le citoyen ne sait pas ce que c'est cet engagement-là et combien il coûte en termes de peur pour sa vie, en termes de peur pour son. Enfin, je parle pas pour moi, mais en général pour d'autres députés. Mais, voilà, c'est des gens qui sont dévoués. Et ça m'énerve d'entendre dire ouais, c'est la faute aux politiques, c'est les politiciens, etc. Non, les politiciens, ils sont comme tout le monde. Et puis, il faut ne pas rejeter la faute sur les politiques, parce qu'en réalité, dans notre pays, comme dans tous les autres pays, on a les politiques que l'on mérite. Les hommes politiques et les femmes politiques qu'on mérite, et les politiques publiques qu'on mérite. Et quand on voit un peu à l'extérieur de notre pays, ce qui se passe, et aujourd'hui, on a plein d'exemples partout, on peut se dire qu'à un certain moment, le pays, avec les politiques publiques qu'il a mis en place depuis un certain nombre d'années, arrive à protéger aujourd'hui, en période de crise, arrive à protéger les gens sur leur énergie, sur leur pouvoir d'achat, sur un certain nombre de choses, ce qui ne se passe pas ailleurs. Par contre, pour le coup, à contrario, sur l'effet inverse des choses, on a un certain nombre de choses qu'on a laissé aller à volo parce qu'on avait des opinions publiques, celles qui comptent, c'est-à-dire le peu d'opinions publiques qui s'expriment, etc. On avait des opinions publiques contraires et il est difficile de réformer sur des opinions publiques contraires. Je prends un exemple simple. Sur le nucléaire, on a longtemps, il y a eu une espèce de poids des pseudo-écologistes sur le nucléaire en disant il faut pas. Or, aujourd'hui, nos centrales
sont mal en point, mais elles vont, j'espère qu'elles vont se remettre en route. Elles sont mal en point parce que justement, elles ont fait l'objet de cette pression-là. Et la France était le premier pays à être quasi autonome avec sa production d'électricité. Donc il y a aussi l'opinion publique derrière. Je veux dire que si on est dans cet état-là globalement tous ensemble, côté bien, c'est grâce à nous tous ensemble, et côté mal, c'est grâce à nous tous ensemble. C'est-à-dire quand les choses sont bien, c'est pas que l'opinion publique a raison, et quand les choses sont mal, c'est pas que les hommes politiques et les femmes politiques qui ont tort. Pour quelles raisons ne vous êtes-vous pas représenté aux élections législatives cette année ? Alors moi, je suis rentré en politique tard, après 40 ans de police, donc une carrière faite. Je suis pas rentré pour faire une carrière politique. Moi, j'ai bien entendu quand on s'est tous ensemble en 2017 présenté, on a dit on va faire la politique autrement et surtout on va pas la faire longtemps. Bon, je demande pas aux autres de faire un seul mandat, mais pour moi, j'estimais qu'un seul mandat c'était bon. D'autant que pendant ce mandat-là, on a fait un peu bouger un certain nombre de trucs, parler de la sécurité globale, bien sûr, mais au niveau de la sécurité, etc., on a beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé avec les ministres successifs, dont Darmanin, à qui j'ai envoyé un SMS, et qui est très fâché, d'ailleurs. Il m'a répondu, il est très, très fâché. Et c'était plutôt intéressant. Et je me suis dit, tu vas trop faire 5 ans, est-ce que tu vas avoir la même chance d'avoir un peu quelques pouvoirs, d'être un peu au centre des choses à un certain moment de manière tout à fait modeste ? La réponse était objectivement non. Donc, tout en restant quand même connecté, je fais autre chose. Voilà, j'ai décidé de faire autre chose. Mais la vie est faite de tas de trucs différents. Et vous verrez que sur une vie, vous aurez plusieurs trajectoires, bien sûr. Vous en avez parlé. Vous avez été l'un des rapporteurs de la loi Sécurité globale en mai 2021. Qu'est-ce qui a mené le gouvernement à voter cette loi ? Bon, c'est le Parlement hein, qui vote la loi. Le gouvernement, là-dedans, en fait, n'a pas fait grand-chose. En réalité, la loi, c'est une proposition de loi. Donc elle a été présentée par moi-même et par la députée Alice Toureau. On était deux co-rapporteurs. Suite à un rapport qui a duré 6 mois sur ce qu'on appelle le continuum de sécurité. Alors en clair et rapidement, qu'est-ce que c'est ? C'est comment mieux faire travailler les effectifs de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en fonction du secteur, avec les effectifs de la police municipale et avec les effectifs de sécurité privée. Pourquoi la sécurité privée ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans la rue, vous êtes pris en compte pour votre sécurité par la police ou la gendarmerie et par la police municipale. Mais quand vous rentrez, par exemple, dans un grand centre commercial, eh bien, c'est le service privé de sécurité qui va vous prendre en compte avec ses caméras, avec ses effectifs, etc. Et l'idée, c'était de mieux faire travailler dans un échange de renseignements les uns avec les autres pour que tous les acteurs de sécurité produisent ce qu'on appelle une sécurité globale dans le cadre d'un continuum. Et non seulement ça, mais et ça, on ne peut pas le mettre dans la loi, mais vous avez aussi, dans la sécurité du 21e siècle, vous avez aussi un autre acteur qui est important, c'est les citoyens eux-mêmes. Aujourd'hui, quand vous prenez votre voiture, et quand vous mettez votre application Waze, eh bien, vous allez éviter les embouteillages parce que l'application va vous orienter là-dessus. Mais à un certain moment, il va vous dire, attention, il y a une voiture garée ou il y a un accident sur le côté. Vous allez lever le pied. Et qui c'est qui vous aura averti de ça ? C'est l'utilisateur de Waze qui est en amont de l'application et qui vous avertit, qui vous sécurise. Eh bien, demain, la sécurité, les Français vont la prendre en compte eux-mêmes, non pas pour intervenir et pour arrêter les gens, mais pour donner beaucoup plus de renseignements. Et ensuite, ils la prendront aussi totalement en compte aussi en arrêtant les gens quand ils feront partie des fameuses des réserves qu'on est en train de monter. Donc la gendarmerie, 50 000 personnes en réserve, la police, 30 000 personnes. Quand vous aurez 80 000 citoyens dans la rue en train de travailler sur leur police, sur leur sécurité, on pourra dire que les citoyens ont pris en compte leur sécurité. Je suis un peu long, non hein, je vois
L'article 24, l'ancien article 24, qui vise à protéger les forces de l'ordre en opération en pénalisant la diffusion malveillante de leur image, a été jugé comme inconstitutionnel. Qu'en pensez-vous ? Ben, je pense qu'on a bien rigolé avec cet article-là. On a bien rigolé parce que cet article a focalisé un certain nombre de choses de manière tout à fait incompréhensible. Parce que, tel qu'il était rédigé au départ, si on le relit, il veut dire exactement ce qu'on a voulu dire. C'est-à-dire, on va poursuivre les gens, pas les professionnels, les gens qui filment les policiers et les gendarmes et qui mettent sur les réseaux sociaux leur visage en disant « ces gens-là sont là, sont à tel endroit, leur famille va à tel endroit, mais leurs enfants à telle école, allez leur casser la figure ». C'était ça qu'on visait, parce qu'il y a énormément d'affaires comme ça. Ça a été, évidemment, c'est monté en épingle par un certain nombre de professionnels, des syndicats, des groupes politiques, etc., etc., qui sont focalisés sur cet article 24 et sur le premier alinéa de l'article 24. On a eu l'intelligence de mettre un deuxième alinéa qui voulait dire exactement pareil que le premier, qui est passé totalement inaperçu et qui, lui, n'a pas été censuré par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé à nos fins sur le truc. Mais on a rigolé aussi, on a rigolé de ça, en se disant, ouais, on les a bien eus, le Conseil constitutionnel. Normal, ils ont une moyenne d'âge de 80 ans, et donc, voilà, ils ne peuvent pas tout voir. Et la deuxième chose, c'est que le premier codicille de l'article 24 a été rérédigé par les sénateurs LR, qui est plutôt sympa, et qui nous ont dit « Non, mais attendez, vous ne savez pas rédiger un article. Nous, on va vous le rérédiger, ça va passer les deux doigts dans le nez. » Ils ont rérédigé le truc, et c'est le truc que les sages du Conseil constitutionnel ont cassé. Donc on a rigolé deux fois. Et en plus, ça a été remis dans une autre loi d'après, qui était la loi sur les principes républicains. Et donc, on a le codicille 2 plus la loi des principes républicains, ce qui fait que le truc, il est passé deux fois, ni vu ni connu. Donc voilà. Et tout le monde s'est focalisé sur l'article 24. Voilà un exemple de truanderie politique que vous devez connaître maintenant. Mais si vous devez lire tous les articles, vous n'avez pas fini. Tout à l'heure, vous avez souligné les problèmes que rencontre la police aujourd'hui en France. Quelles seraient les mesures prioritaires à prendre aujourd'hui selon vous ? En fait, ce n'est pas un problème de police, c'est un problème de sécurité qu'on doit aux citoyens. En fait, le problème, il est là. On n'a pas un problème de police, il faut pas inverser les trucs, on a un problème de sécurité. Sécurité du quotidien. Parce que sur les gros meurtres, les grosses enquêtes, etc., on a des groupes qui répondent bien. Mais la sécurité du quotidien, on n'a pas cette espèce de voisinage, on n'a pas encore cette espèce de voisinage qu'ont les anglo-saxons. Si on l'a avec la police municipale. Et la police nationale essaye de se redéployer dans le cadre de ce qu'on avait appelé la police de sécurité du quotidien, mais qu'on a dû mettre un peu sur le bord de touche avec la Covid. Donc l'idée, c'est de travailler sur la sécurité des citoyens. Et c'est ce qu'on a tenté de faire, et ce qui doit se faire maintenant, et ce que moi j'ai intégré avec d'autres collègues dans la première campagne de Macron et dans la deuxième campagne de Macron. L'idée, c'est de travailler, pour qu'on ait un pays plus sécur, il faut travailler sur deux jambes. La première jambe, c'est plus d'effectifs sur la voie publique. Policiers municipaux, gendarmes, agents de sécurité dans leur domaine de compétences. Et si vous injectez 80 000 réservistes, vous aurez des effectifs en plus. Mais si vous voulez des effectifs en plus, il faut réformer à la fois la police et la gendarmerie et faire en sorte, parce que là aussi je vais vous étonner, si vous rajoutez le nombre de flics et de gendarmes, on est un des pays les plus fliqués d'Europe. Donc arriver à récupérer les gens qui ne sont pas sur la voie publique, leur simplifier un peu la vie en termes de procédures pénales et en termes de reporting administratif, et les mettre sur la voie publique. Et pour certains,
les prendre par l'oreille et les mettre sur la voie publique parce que certains ne veulent pas y retourner sur la voie publique. On a des problématiques là-dessus. Il faut savoir que en gendarmerie et en police, comme dans d'autres corps, on a des problématiques d'absentéisme, des problématiques de gens qui sont dans des bureaux et que l'on veut remettre sur la voie publique et qui, eux, préfèrent rester dans les bureaux. Il faut qu'on se batte là-dessus. Et c'est ce que le programme du président de la République pour doubler le nombre de présences sur la voie publique d'ici 2030. Mais les combats sont rudes. Et aujourd'hui, vous avez, par exemple, des oppositions sur une réforme où la police judiciaire fait une opposition farouche, qui est une bonne réforme, mais il y a une position intérieure farouche. Donc il faut travailler là-dessus. Mettre plus d'effectifs sur la voie publique. Première chose. Deuxième chose, travailler sur la réponse, ou plus exactement la sanction pénale immédiate et adaptée. Immédiate parce qu'il n'y a pas de sanction pénale immédiate. On a un vrai problème. Ces 30 dernières années, on a un vrai problème de sanction pénale. On a véritablement, en termes un problème de sanction en termes de justice. On parle plus en termes de justice d'aménagement de peine que d'exécution de la peine. On a un vrai problème là-dessus. Il faut donc travailler. Ce n'est pas tant la réforme du ministère de l'Intérieur, mais la réforme de la justice qu'il faut entreprendre là-dessus. Avec, aujourd'hui, quand vous avez un juge du siège qui donne une pénalité, elles sont en général pas en adéquation avec les faits. Et quand tu donnes une pénalité un peu forte, vous avez derrière un juge d'application des peines qui détricote la pénalité. Donc là, il y a un vrai gros problème qui fait que c'est un problème d'impunité et on a à travailler sur une multirécidive parce que dans ce domaine-là, comme dans le domaine économique, on a une loi qu'ils appellent la loi de Pareto qui s'applique, c'est-à-dire que la loi de Pareto qui dit que 80% des effets sont faits par 20% des effecteurs. Dans la criminalité, 80%, alors peut-être pas 80%, mais 60% de la criminalité est faite par 20% de multirécidivistes. Il faut qu'on arrive à traiter ces multirécidivistes. Et puis enfin, il faut aussi qu'on arrive à voir une problématique et à essayer d'être plus conquérant dans une problématique de quand un étranger sur le sol national fait un acte de criminel ou délinquentiel important, eh bien, il faut le virer chez lui. Il faut arriver à le faire partir du territoire national. Il faut qu'on arrive à être plus ferme là-dessus. Sur un tout autre sujet, la France s'apprête à accueillir deux événements majeurs, la Coupe du monde de rugby en 2023 et les JO 2024. Comment assurer le bon déroulement de ces deux événements afin d'éviter tout débordement comme il y a pu avoir lors de la finale de la Ligue des Champions d'il y a quelques mois ? Alors effectivement, il y a eu des événements importants et inadmissibles dans la finale de la Ligue des Champions. Je vous invite à voir un an auparavant la finale de la Ligue des Champions qui s'est passée à Londres. Hein. Vous avez eu exactement le même type de truc, hein, avec des gens qui ont truandé pour avoir des billets, etc. Et ça s'est traduit de la même manière. Mais c'est inadmissible. Sur la Coupe du monde de rugby, moi, je vous en ai un peu parlé, mais par l'esprit même de ce sport, par la qualité du public, je suis moins craintif. C'est pas sur un match de rugby qu'on verra, même s'il se passe à Saint-Denis, et qu'on verra descendre toutes les bandes qui sont là pour travailler sur les vols, etc. Sur le rugby, je ne suis pas très inquiet. Néanmoins, il y a des services d'ordre qui sont prévus sur les matchs, etc. Et c'est quelque chose à suivre. Sur les Jeux olympiques, en termes de spectateurs, c'est pas les spectateurs. En général, les spectateurs des Jeux olympiques, c'est pas eux qui vont avoir des faux billets. Donc, on n'est pas sur les mêmes termes. Pour autant, surtout pour les Jeux olympiques et paralympiques, le challenge est hyper important, surtout l'ouverture des Jeux qui va se passer sur les bords de Seine. Et ça va drainer 28 millions de spectateurs. 28 millions, pas de téléspectateurs, de spectateurs. Donc, pour ce faire, la sécurité privée doit jouer un rôle phénoménalement important.
Moi, je me souviens, en 2016, j'étais chef du RAID. On sécurisait la Coupe de foot, le championnat d'Europe de foot en France. Il y avait 13 000 opérateurs du privé. Là, on est à 24 000, on a une demande de 24 000 opérateurs du privé. Donc, il faudra que le privé, qui est une formidable... je pense que c'est un formidable vecteur d'augmentation et de valeur ajoutée. Il faudra que le privé arrive à fournir les 24 000 personnes et qu'il y ait des services, mais ça on sait faire, hein, des services de maintien de l'ordre, etc., qui soient à la hauteur des enjeux. Je suis pas persuadé. Moi, je suis pas inquiet. Je suis inquiet sur les matchs de foot, c'est tout. Mais véritablement, parce que partout dans le monde, vous avez cette problématique des matchs de foot. Les spectateurs ont l'air. Je parle pas du spectateur du bon père de famille qui amène ses enfants, etc. Mais qui pourra plus même plus les emmener maintenant. Mais les spectateurs, les autres spectateurs, retransmettent dans leur dans leur ferveur au sport et à leur équipe, une espèce des espèces de choses qui sont malsaines, qui sont de l'ordre du racisme, on entend plein de trucs là, que j'ai jamais entendu dans une enceinte de rugby. Moi. Pour finir, après une carrière comme la vôtre, qu'envisagez-vous pour le futur ? Alors l'avantage, c'est que le futur sera plus court que la carrière, quoi, normalement. Si on respecte les normes habituelles. Moi, j'envisage déjà je fais des conférences, donc ça me plaît bien de transmettre. Alors, je fais des conférences dans le privé aussi, donc voilà, de continuer ça. Voilà, de profiter un peu aussi de... Ce qui m'a fait aussi quitter la politique, c'est parce que j'avais une appétence pour retrouver le temps long. D'être un peu moins la tête dans le guidon, comme je l'avais été en tant que chef du RAID, mais aussi dans la police et dans la politique, et de pouvoir me projeter sur un certain nombre de choses à titre personnel, à titre sportif, voilà, un certain nombre de choses à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, alors je le disais sous forme de boutade, mais plus on avance, plus les temps sont précieux. En fait, en réalité, vous avez trois choses pour être pleinement heureux dans la vie. Il vous faut trois choses pour être pleinement heureux. Un peu de pognon, ça c'est... voilà. Mais vous êtes là pour ça, pour investir dans l'avenir. Un peu d'argent, un peu de la santé et surtout le temps. Et moi, le temps me manquait. Donc voilà pourquoi j'ai repris un peu ma liberté aussi. Merci Monsieur Fauvergue d'avoir répondu à nos questions. Avant de passer aux questions du public, voici un sondage réalisé pendant la conférence auquel vous pouvez réagir si vous le souhaitez. La question était, seriez-vous prêt à participer au service militaire si celui-ci était rétabli ? Il y a 69% de oui et 31% de non. 69% de oui ? D'accord. Moi, je l'ai fait, le service militaire, je l'ai fait dans les parachutistes. Je me suis éclaté d'ailleurs. J'ai bien aimé, mais je n'oublie pas que quand j'ai fait mon service militaire, il y avait une quarantaine de pourcents de gens qui étaient pas admis à faire le service militaire, ils avaient pas de problème particulier, mais l'armée ne pouvait pas accepter tout le monde, et donc il y avait des tas de gens qui étaient réformés, dont certains ne méritaient pas d'être formés. Et je n'oublie pas aussi que dans ma classe d'âge au service militaire, j'avais un copain qui avait 18 ou 19 ans, il n'était pas vieux, et il avait 4 enfants déjà. Et lui n'avait pas été réformé. Et on a gueulé pour qu'il le soit. Bon, ça a marché au bout d'un certain temps, pas grâce à nous, mais parce qu'ils se sont aperçus quand même que c'était un peu... Donc il y avait tout ça pour vous dire que... On a toujours, avec le recul, l'idée de que les choses étaient mieux avant et qu'on a abandonné un truc qui fonctionnait du feu de Dieu, etc. Il y a ce problème-là. Le deuxième problème, dans les 69% des personnes qui veulent faire leur service militaire, est-ce que si demain, on doit partir au combat et en théâtre d'opération, on a 69% des personnes qui disent « oui, oui, on va y aller ».
C'est parce que c'est ça, le service militaire, ça sert à ça. Le service militaire, avant tout, ça sert à ça. Ça ne sert pas à former les gens. Oui, ça aussi, par effet rebond. Mais est-ce que les familles et eux sont partants pour faire ça? Comme font, par exemple, les Ukrainiens, de 18 ans à 60 ans, qui ne peuvent plus sortir de chez eux, qui sont obligés d'aller faire la guerre, et qui la font vaillamment, de 18 ans à 60 ans, pour les hommes. Parce que là, en termes d'égalité, d'égalité sexuelle, en Ukraine, ça ne marche pas comme ça, quoi. Les femmes ne vont pas faire la guerre. Alors, il y en a quelques-unes qui font par volontariat, mais elles ne sont pas obligées de rester. Donc voilà, la vraie question, elle est là. Est-ce que vous êtes... OK, bien, 69%. Est-ce que vous êtes prêts demain à aller au taf si ça tape, quoi. Merci pour votre réponse. Nous allons désormais passer aux questions du public. Bonjour, merci pour votre témoignage. J'avais une question. Est-ce que vous avez donc suivi des suivis psychologiques avec des psychologues ou des thérapeutes après les événements, les attentats? Ça se voit que j'en ai pas eu. Non, je plaisante. Dans la police nationale, c'est plutôt bien fait, le suivi psychologique, pour les effectifs et pour leurs familles. Non, moi, j'en ai pas eu parce que j'ai enchaîné les choses assez rapidement. Et après les événements, le patron du raid, il faut pas croire, et les gens qui sont au raid, on est reparti sur autre chose parce que la situation était tendue. Donc, moi, j'ai pas eu de suivi psychologique de ce point de vue-là. Mais c'est pas bien. C'est parce que ça sert en réalité. Ça sert. D'autres l'ont eu et des familles l'ont eu. Voilà ma réponse. Bonsoir. Merci beaucoup pour la conférence. Moi, j'avais une question par rapport au fait de rentrer dans la police. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les exigences se sont un petit peu abaissées, qu'on est un petit peu moins exigeant en termes de recrutement dans tous les services de police? Alors aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse sur une chose importante et qui est prise au cas par cas, mais je pense qu'il faut la globaliser. Quand vous écoutez la télé, vous suivez les échanges, etc., vous apercevez qu'on a des problèmes pour recruter des infirmières, vous apercevez qu'on a des problèmes pour recruter des pompiers volontaires, vous apercevez qu'on a des problèmes pour recruter des flics, vous apercevez qu'on a des problèmes pas pour recruter des médecins. Les médecins, contrairement à ce qu'on croit, il y en a beaucoup plus qu'avant. Sauf que le temps de médecine est beaucoup moins important parce que les médecins, eux aussi, ont envie d'avoir une vie privée, quoi. Et un médecin qui fait 70 heures, ça n'existe plus. Mais vous apercevez qu'il y a plein de boulot dans la fonction publique. Les professeurs aussi, où on n'arrive pas à recruter. Alors, beaucoup vous disent, et pas seulement dans les oppositions, mais beaucoup vous disent, il faut les augmenter, il faut ci, il faut là. Bon, sauf que ça ne suffit pas. Ils ne veulent pas faire le boulot parce qu'il n'y a pas d'appétence pour le job, et il n'y a pas d'appétence pour des horaires débridés, il y a de moins en moins d'appétence pour servir l'autre aussi. Voilà. Du moins pour une partie de la population. Donc on a un vrai problème là-dessus. Donc pour répondre à votre question, le niveau de l'exigence pour entrer dans la police, et pas que dans la police d'ailleurs, a baissé. Mais pour autant, on ne va pas prendre à 0,5. Quoi. C'est pas possible. Donc pour autant, il n'y a pas assez de personnes qui se présentent pour ces jobs-là. Mais c'est pas que... Et là, je vous ai parlé des fonctions publiques, mais c'est pas que. Vous discutez avec des entrepreneurs, vous discutez avec des commerçants, ils trouvent personne pour bosser. Personne.
on a un vrai problème. Plus un problème de démission. Il y a des gens qui démissionnent depuis le Covid. Certains pour aller faire des fromages dans l'Aveyron, changent de vie, quoi. Mais quand tout le monde fera des fromages dans l'Aveyron, on n'en pourra plus de manger des fromages. Il va falloir reprendre le taf. Et aujourd'hui, on a des vrais problèmes à tous les points de vue là-dessus. Et sur tous les niveaux, ça va de l'ingénieur nucléaire aux pompiers, enfin tous les niveaux, quoi. Donc on a un vrai gros problème, d'où l'intérêt, je vous l'annonce, si vous ne l'avez pas perçu dans les discours des uns et des autres, hein, d'où l'intérêt aussi de baisser les taux de chômage pour que les populations aillent vers l'emploi. L'idée, c'est aussi de faire un vrai gap. Alors si c'est un petit peu politique, mais de faire un vrai gap entre les boulots, entre les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas. Il faut une vraie différentielle. Oui, bonsoir. Merci pour votre présence. Je voulais savoir, quand vous êtes face à un attentat, un terroriste, comment se fait la décision sur est-ce qu'on le neutralise ou est-ce qu'on l'intercepte, on fait confiance à la justice, ou est-ce que le RAID prend la décision de le mettre hors d'état de nuire? Vous l'avez bien vu tout à l'heure, je l'ai expliqué, on a deux cas de figure. L'individu qui a un problème psychologique, et là, d'une manière générale, dans la population française, comme dans la population d'à peu près tous les pays, en tout cas les pays développés, on a 1% de la population qui a des problèmes psychologiques graves. 1%. C'est pour ça qu'en général, je refuse de faire des conférences à plus de 100. Là, vous êtes 200-300, il y en a... Faites attention à celui ou celle qui se trouve à côté de vous. Donc, 1% de la population a des problèmes psychologiques graves. Quand ils prennent les gens en otage, en général la famille, ça peut être très sanglant, hein, comme truc, hein, c'est pas un petit problème. Hein. On négocie et on arrive à 80-90% à une reddition. Et l'autre pourcentage, c'est une interpellation de vive force, mais sans arme létale. Voilà. Donc, là, les personnes sont interpellées. Pourquoi elles sont interpellées dans ce cas-là? Parce que, d'abord, il faut sauver les otages. Et ensuite, la personne interpellée, elle est en vraie souffrance. Et c'est de l'honneur de la police et l'honneur du chef du RAID et du RAID de faire cette arrestation et de remettre à la justice ou au médical pour que la personne se fasse soigner. Voilà ce qui se passe dans ce cas précis. Dans le cas précis de l'individu radicalisé, dont on sait qu'il veut mourir les armes à la main et qui a déjà tué, hein, en général, et massacré, y compris des enfants, des petits-enfants. L'idée, c'est de ne pas prendre la décision de est-ce qu'on le neutralise ou est-ce qu'on le remet à la justice. Ce n'est pas ça, la décision qui est prise par le chef du RAID. Ce n'est pas ça qui est dans ma tête, moi, quand... ce n'est pas du tout ça. La décision, c'est de dire j'ai un ordre de priorité. Je vais vous le dire, l'ordre de priorité. Un, c'est sauver tous les otages. Si je peux. C'est ce que j'avais dit au ministre quand il était venu à la porte de Vincennes, à l'hypercachère. On va essayer de sauver tous les otages. Je ne garantis pas de sauver tous les otages. En fait, on les a tous sauvés, les otages. Donc l'idée, c'est de sauver tous les otages, par ordre de préférence. Deux, de ramener tous mes gars chez eux, sans gros bobos. C'est ma deuxième préférence. Et trois, si je peux, d'arrêter le terroriste. Mais si le terroriste représente un danger tel qu'il va me tuer des otages ou me tuer des effectifs, j'utiliserai tous les moyens à ma possession pour le neutraliser. Et en fait, en réalité, à partir du moment où on part sur ces bases-là, qui sont des bases dans la tête du chef du RAID et du patron du RAID, mais dans tous les chefs d'unité, cette priorité-là, et dans les hommes politiques, le ministre de l'Intérieur, sa priorité, elle est exactement pareille. C'est-à-dire éviter la mort des otages, éviter la mort des policiers, puis après, si vous pouvez, interpeller le terroriste. Donc,
C'est pas une décision qu'on prend en disant tiens, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Parce que je sais que la deuxième, si on avait pu les arrêter vivants, ils auraient arrêté vivants. On n'est pas la justice, nous. On est la police. On est le RAID, mais la police. Si on avait pu les arrêter vivants, on les aurait arrêtés vivants. Et on les aurait remis à la justice. Mais dans les affaires que je vous ai citées, on n'a pas pu faire ça. Comment voulez-vous arrêter un type, par exemple au Bataclan, qui a un gilet explosif, c'est-à-dire une bombe intelligente qui va se déplacer et qui va se coller à vous ou à la colonne d'assaut qui va vous faire... C'est pas possible. Donc, à un certain moment, on fait comme ça. On a aussi fait des opérations d'interpellation matinale à la demande des services antiterroristes ou des services de renseignement sur lesquels on a arrêté des apprentis terroristes ou des gens qui allaient passer à l'action. Et ceux-là, on les a arrêtés parce qu'on avait l'avantage de la surprise. Donc on a travaillé sur des techniques particulières et on les a tous arrêtés. Il n'y a pas eu un seul usage des armes. En 2016, je peux vous dire qu'on a fait 400 opérations en 2016 hein, entre les terreaux et le grand banditisme. Et on a à peu près, sur 400 opérations, on a à peu près 550 arrestations, dont 180 terroristes. Ils ont tous été arrêtés. Parce qu'on a pu le faire. Et parce qu'on a pu le faire sans mettre en vie mes effectifs que j'avais sous mon autorité. Voilà. Plus que deux questions. Bonjour. Merci pour votre intervention. Je reviens tout juste d'un an passé à l'armée chez les parachutistes comme vous. Et il y a quelque chose qui m'avait assez interpellé. C'est qu'il y a beaucoup de personnes à l'armée qui disent que on ne doit pas porter l'uniforme dans la rue et que c'est quelque chose d'assez mal vu par les militaires. Et ça m'avait beaucoup choqué parce que j'en avais discuté avec des anciens qui disaient qu'à l'époque, c'était plutôt bien vu. Et donc, j'ai plusieurs questions en une. Est-ce que c'est la même chose dans la police ? De deux, comment vous l'expliquez ? Et oui, quel est votre ressenti par rapport à ça ? Alors, porter l'uniforme, moi, j'en ai porté quasiment toute ma vie... Je vois pas ça d'un mauvais œil, bien au contraire. Hein, je vous rassure de suite. C'est plutôt bien. Par contre, peut-être que vos collègues militaires vous ont dit ça pour éviter de vous faire agresser, pour éviter qu'il y ait des problèmes particuliers, que vous soyez l'objet de colibés, etc. Parce que la problématique, c'est que les temps ont changé et que aujourd'hui, effectivement, quand vous êtes dans la rue en uniforme, bah, vous avez des gens qui regardent et qui sont contents, on le voit dans leur regard, et puis vous avez d'autres qui supportent pas ça, quoi. Donc c'est sans doute pour ça qu'on vous a donné ce conseil-là, mais si demain tout le monde se met en uniforme, je pense que ça pose aucun problème à personne, en tout cas dans cet amphi-là, mais c'est aussi une évolution dans notre société. C'est pas juste un fait isolé, c'est une évolution dans notre société qui fait que l'uniforme représente l'autorité, les valeurs, un certain nombre de choses un peu plus abstraites peut-être, le courage, le dévouement, et puis peut rassurer certains. Mais le problème, c'est que notre société est divisée entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas, et en général, ceux qui n'aiment pas l'expriment plus facilement et plus violemment que ceux qui aiment. C'est ça, en fait, la vraie problématique, elle vient de là. Dans nos sociétés, pas qu'en France, mais dans nos sociétés occidentales, la problématique vient que la majorité des Français qui sont pour ne se prononcent pas, ceux qui sont contre, on les entend tout le temps, quoi. La dernière question. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup d'anciens du RAID et du GIGN qui réalisent des vidéos avec des youtubeurs donc sur la plateforme YouTube. Et je voulais savoir si, selon vous, ça décrédibilise ces institutions. Est-ce qu'il ne faudrait pas garder un peu de mystère sur ces unités spéciales parce que bien souvent, ces anciens membres
réalise ces vidéos pour promouvoir, par exemple, des livres à propos du GIGN ou du RAID. Merci beaucoup. Oui, c'est des vidéos de promotion des bouquins qu'ils ont écrits, c'est ça ? Moi, je serais malvenu de les critiquer. J'ai écrit des bouquins, j'ai pas fait de vidéos dessus, mais j'ai fait des émissions télé et des trucs. Donc, je serais malvenu de les critiquer. Je pense que c'est important que qu'il y ait des témoignages comme ça à plusieurs conditions. Alors que les gens ne fassent plus partie de l'unité, mais en général, c'est ça. Et ensuite qu'ils écrivent pas d'une manière générale tout ce qui leur passe par la tête. Il y a des choses qui peuvent être dites. Il y a des choses qu'il est important de ne pas dire, si ça peut répondre à votre question. Et en particulier, il y a, comme dans toutes les unités, comme dans toutes les administrations, comme dans toutes les entreprises, comme dans toutes les écoles, il y a des secrets à garder, il y a des choses à garder. Tout n'est pas. On doit effectivement garder une certaine hauteur de vue de ce point de vue-là. Et je dois dire que j'ai lu quelques livres récemment, c'est pas toujours le cas. Il y a quelques exceptions, mais il y a des trucs très, très bien, mais quelquefois, c'est pas toujours le cas. Quoi. Merci, monsieur Fauvert, de vous être prêté au jeu. En prie. Nous souhaitons également remercier nos partenaires, Adix, Théodore Maison de Peinture, Total Energy, Aurésis et France Bleu Nord pour leur confiance. Nous vous laissons, si vous le désirez, le mot de la fin. C'était pas prévu, ça. Donc, il faut que j'improvise. Non, mais ça me, moi j'ai énormément de plaisir d'échanger. Peut-être que bon, j'essaye d'avoir une parole claire et souvent sans filtre. J'espère que je vous ai pas trop choqué sur un certain nombre de choses. Ce que je voulais vous dire, puisque je suis dans une école de jeunes, de personnes jeunes, donc d'avenir, et une école renommée. Je crois que ce qu'il y a d'important dans notre pays, c'est d'aller un peu contre la tendance actuelle qui est du French bashing. Quoi. C'est de se flageller sur notre pays en disant que on est aux frontières de la décadence et que on le voit tous les jours. Alors effectivement, quand on prend des exemples très précis dans des domaines précis, on peut toujours prendre des mauvais exemples. Mais il y a d'excellents exemples, il y a de beaux exemples que l'on peut prendre au RAID ou dans d'autres unités. Quand le RAID a, par exemple, évacué l'ambassade d'Afghanistan, c'est un exemple très fort. Et on a des exemples, d'autres exemples de ce type-là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut porter haut et fort les couleurs de notre pays, de notre nation, de ses valeurs démocratiques. Quand on voit le discours récemment de Poutine contre l'Occident. Je pense qu'il faut résister à ces discours-là par un discours positif. Alors c'est sûr que tout ne va pas bien, c'est sûr qu'on a des choses à faire, c'est sûr qu'il faut améliorer des trucs, mais d'une manière générale, on a un pays qui est un pays dynamique. On est le cinquième pays au niveau commercial, on est le sixième pays au niveau de la production industrielle, on est le... on doit être le cinquième pays au niveau des brevets déposés. Il y a plein de trucs. On est le premier pays où investissent les étrangers chez nous, donc ça veut dire quand même quelque chose. On est un pays dont il faut défendre le drapeau, les valeurs. Il faut qu'on apprenne à se réaimer. Moi, la France, c'est un pays que j'aime. Je voudrais vivre pour rien au monde, je voudrais vivre ailleurs. Je crois qu'il faut apprendre à réaimer son pays pour mieux le servir. Et qui mieux que la jeunesse qui se destine à des brillantes carrières pour faire ça. Merci encore, Monsieur Fauvergue, et merci au public qui est venu le voir.
Nous demandons d'ailleurs à celui-ci de bien vouloir rester assis le temps que l'invité quitte la salle. Vous pourrez retrouver cette conférence sur l'ensemble de nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Merci.